lycéennes, chers lycéens, bonjour et bienvenue parmi nous au cours en ligne d'aujourd'hui. Nous sommes au deuxième objet d'étude de votre programme, le débat d'idées, pour les classes de terminale langues étrangères. Et nous allons ensemble rédiger un compte-rendu critique. De votre texte, je rappelle que le texte que nous avons traité la dernière fois est d'Albert Jacquard, extrait de L'angoisse à l'espoir, leçon d'écologie humaine, édition Calmann-Lévy. La production écrite, nous avons choisi le premier sujet qui est la rédaction du compte rendu critique, n'est-ce pas? Et il ne faut pas oublier que les questions de compréhension vous aideront à rédiger votre compte rendu critique, justement. Le compte rendu se présente en trois parties. On commence par la première partie qu'on appelle l'accroche ou l'introduction. Nous avons dans la compréhension de texte vu des questions. Les questions qui vont vous aider à travailler l'accroche sont première question, deuxième question et la neuvième question. La première question va vous permettre d'identifier l'opinion de l'auteur. La deuxième va vous permettre de retrouver le thème principal. La neuvième, justement, vous permettra de retrouver la visée communicative de l'auteur. On reprend la situation d'énonciation du texte que nous avons étudié auparavant. Qui ? On rappelle que c'est l'auteur Albert Jacquard, une information supplémentaire qui est un scientifique, un essayiste français. Quoi ? Il défend ou il plaide pour la mise en place d'un système éducatif universel. Ou, dans un extrait de son ouvrage, De l'angoisse à l'espoir, leçon d'écologie humaine, édité chez Calmann-Lévy. Comment ? Dans un texte argumentatif, pourquoi? Pour montrer que l'homme doit se libérer et guérir de l'individualisme. Nous allons maintenant écrire l'accroche ensemble. L'auteur Albert Jacquard, dans le texte extrait de son ouvrage, donc on a mis l'auteur, le nom de l'ouvrage, De l'angoisse à l'espoir, leçon d'écologie humaine, on va mettre la maison d'édition, éditée chez Calmann-Lévy, plaide pour la mise en place d'un système éducatif universel. N'est-ce pas? C'est le quoi. Pourquoi? Afin que l'homme se libère et guérisse de l'individualisme et retrouve son humanité. Bien sûr, vous avez aussi une autre façon d'écrire votre accroche, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement le modèle qu'il faut appliquer forcément. La deuxième possibilité, l'auteur Albert Jacquard, dans l'extrait de son livre intitulé « De l'angoisse à l'espoir, leçon d'écologie humaine », paru au lieu d'écrire édité, je peux mettre paru chez Calmann-Lévy, que fait l'auteur, plaide l'idée de la mondialisation de l'éducation qui permettrait de retrouver les valeurs humaines de l'homme. Bien sûr, vous pouvez écrire un autre type d'accroche. On passe à la deuxième partie. La troisième question de la compréhension du texte. Cette question met en évidence l'opposition qui existe dans le monde. Il y a des pays riches et des pays pauvres. Vous remarquez que c'est la question 6 du questionnaire. On vous demande de compléter avec un articulateur « mais ». L'importance, c'est de montrer, de mettre en évidence aussi l'opposition par les expressions « enfermé dans » et « ouvert sur ». Que la mondialisation de l'économie enferme les jeunes
alors qu'il préconise, il voudrait que les jeunes soient ouverts sur les cultures extérieures. La question 7, c'est une question qui montre que la suggestion est réalisable, que la solution que propose l'auteur pourrait être réalisée, celle de créer une communauté culturelle méditerranéenne. La question 5, c'est pour reprendre ce que défend l'auteur et ce qu'il réfute. La question 8 est une question de synthèse. On passe maintenant à l'élaboration du plan de notre texte. L'auteur défend la mise en place d'un système éducatif commun à tous les pays qui préparerait les jeunes à être des citoyens du monde. Les arguments: investir dans la création d'une communauté culturelle méditerranéenne et promouvoir l'échange de cultures et de savoir-faire. Favoriser la coopération entre les pays riches et les pays pauvres pour la création d'un système éducatif qui respecterait les cultures de chacun. L'auteur rejette une mondialisation qui condamne les jeunes au rôle de consommateurs et privilégie l'égoïsme. La synthèse, c'est par l'ouverture aux autres, l'échange, que les jeunes pourront se libérer. À partir de ce plan de texte, nous allons pouvoir rédiger le contenu. L'auteur reproche à la mondialisation d'aujourd'hui de se limiter seulement à l'économie et d'enfermer la jeunesse dans le rôle de producteur-consommateur. Il propose de passer de l'individu à la personne grâce à la mondialisation de l'éducation qui permettrait au monde d'avancer et de s'ouvrir aux autres en abolissant les frontières des cultures et des idées. Il est convaincu que la création d'une communauté culturelle méditerranéenne est possible avec l'aide des États pour une meilleure prise en charge de l'éducation des enfants qui seront acteurs de l'échange constructif. Selon Albert Jacquard, ce comportement d'échange interculturel guérit l'homme de l'individualisme. On vous propose également un autre compte rendu. Enfin, c'est le même, mais vous allez remarquer quelque chose à la fin. L'auteur propose de passer de l'individu à la personne grâce à la mondialisation de l'éducation qui permettrait au monde d'avancer et de s'ouvrir aux autres en abolissant les frontières des cultures et des idées. Il est convaincu que la création d'une communauté culturelle méditerranéenne est possible avec l'aide des États pour une meilleure prise en charge de l'éducation des enfants qui seront acteurs de l'échange constructif. Il reproche à la mondialisation d'aujourd'hui de se limiter seulement à l'économie et d'enfermer la jeunesse dans le rôle de producteur-consommateur. Selon Albert Jacquard, ce comportement d'échange interculturel guérit l'homme de l'individualisme. Vous remarquez ici que le plan n'a pas été respecté. Dans la première proposition de compte-rendu, on n'a pas respecté le plan du texte. Par contre, dans le deuxième, on a respecté le plan du texte. Ceci, c'est pour vous montrer que dans un compte-rendu, le plan peut ne pas être respecté selon les idées. On passe maintenant à la troisième partie. C'est la partie critique. À la lecture de ce texte, je trouve que l'auteur ne s'est pas manifesté explicitement, mais seulement à travers quelques adjectifs: bonne, seule, la seule ou le seul, et l'emploi dominant du conditionnel. Il a aussi utilisé la comparaison avec le projet de l'Union européenne pour faire accepter sa suggestion. Je partage l'idée que l'homme est devenu égoïste et individualiste et espère que la mondialisation de l'éducation changera ses priorités en accordant plus d'intérêt aux valeurs humaines.
On revient maintenant au compte rendu critique en entier. L'auteur Albert Jacquard, dans le texte extrait de son ouvrage « De l'angoisse à l'espoir, leçon d'écologie humaine », édité chez Calmann Lévy, plaide pour la mise en place d'un système éducatif universel afin que l'homme se libère et guérisse de l'individualisme et retrouve son humanité. L'auteur reproche à la mondialisation d'aujourd'hui de se limiter seulement à l'économie et d'enfermer la jeunesse dans le rôle de producteur-consommateur. Il propose de passer de l'individu à la personne grâce à la mondialisation de l'éducation qui permettrait au monde d'avancer et de s'ouvrir aux autres en abolissant les frontières des cultures et des idées. Et il est convaincu que la création d'une communauté culturelle méditerranéenne est possible avec l'aide des États pour une meilleure prise en charge de l'éducation des enfants qui seront acteurs de l'échange constructif. Selon Albert Jacquard, ce comportement d'échange interculturel guérit l'homme de l'individualisme. À la lecture de ce texte, je trouve que l'auteur ne s'est pas manifesté explicitement, mais seulement à travers quelques adjectifs, bonne, seule, et l'emploi dominant du conditionnel. Il a aussi utilisé la comparaison avec le projet de l'Union européenne pour faire accepter sa suggestion. Je partage l'idée que l'homme est devenu égoïste et individualiste et espère que la mondialisation de l'éducation changera ses priorités en accordant plus d'intérêt aux valeurs humaines. Ainsi, nous arrivons au terme de notre traitement de sujet d'examen et je vous dis merci.